un truc d'eau qui va se passer à l'école, donc genre comme une bataille d'eau à l'école. Et au début, je suis genre comme ah, ok, bon, qu'est-ce que c'est et tout. Puis après, au fur et à mesure, je comprends qu'en gros, fallait qu'on apporte genre des pistolets à eau, puis genre comme tu arroses les gens. Puis en fait, c'est un compte Instagram qui s'est créé et qui, pour la dernière journée des secondaires 3, juste pour les secondaires 3, genre, pas pour les secondaires 4 ou 5, juste pour nous. C'est une application qui s'appelle Splashing, genre ouais, Splashing. Puis, en gros, tu crées un compte, ok, et ensuite tu peux join des genre des parties. Puis il faut que tu mettes genre un code dessus. C'est tu peux join des parties. Donc on a fait deux parties pendant la journée. C'était pendant les cours et tout, donc genre comme en gros, tu te déplaçais dans l'école pendant les cours, puis les profs, ils étaient pas au courant. Oh oh. Ouais, donc genre, au début de la partie, on commence, puis ben, on savait pas trop comment faire, donc on a chargé un peu tout le monde. Puis genre, c'était un peu genre, rigolo. Puis là, il y a le prof, il y a le directeur, là, Richard, oui, qui est venu, puis il était genre comme, là, là, c'est inacceptable, tu sais, vous allez genre comme mouiller toute l'école, quand vous allez revenir l'année prochaine, il y aura de la moisissure, plus des murs, en tout cas, bref. Donc il a confisqué quelques pistolets à eau, même les profs ils ont confisqué des pistolets à eau. Et là tu vois genre toutes les personnes qui sont dessus, donc il y avait genre comme, il y avait 34 personnes je pense. Quand même pas beaucoup honnêtement, pour, on est genre 100 dans l'année, mais c'était quand même bien. 35. Puis t'as des targets, donc genre des gens que tu dois, genre tu te mets en équipe de deux, moi j'étais avec Yel. Puis t'as des targets, donc genre des gens que tu dois tuer. Et ben moi, la première fois, oui, c'était Lilou et Laetitia qu'on devait tuer en premier. Donc là, on a réussi. Ben, en fait, pour les tuer, il faut que tu les asperges d'eau et qu'en même temps, tu filmes. Que, genre, comme que tu demandes à quelqu'un de filmer et tout. Okay. Et ensuite, on peut te voir. Ensuite, il faut que tu les postes. Puis genre, ah, comme t'as genre un film de communication, tu peux voir genre toutes les vidéos des gens qui ont été tués. Tu vois, tu envoies de l'eau sur les gens comme ça. Et si t'as pas de pistolet, tu fais comment? Ben moi j'avais pas de pistolet, donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris genre une bouteille d'eau. Attends, tu arroses tout le monde. J'ai vu une bouteille d'eau en plastique que quelqu'un avait laissée là. Donc là je l'ai pris, je l'ai rempli d'eau, j'ai fait un trou dedans sur le bouchon. Puis genre ensuite tu appuies dessus, puis ça genre asperge de l'eau sur tout le monde. Puis donc là après avec Yel j'ai éliminé Lilou et Laetitia. Donc là Raphaël l'a filmé, elle m'a envoyé la vidéo. Là, tu le postes. Ensuite, il faut genre comme que l'admin, qui est genre comme restée anonyme, en fait, genre la personne qui a genre organisé tout ça, ouais, il faut que genre comme elle confirme ta vidéo pour la valider. Donc ça, c'était mon premier round. Et quand j'ai tué Lilou et Laetitia, parce qu'en fait, on était en sciences, puis on allait dehors, parce qu'il faisait genre vraiment chaud dans la classe de sciences. Donc là, c'est ça. En sortant dehors, on a tué Lilou et Laetitia. Et on continue d'avancer sur le trottoir. On allait au campus McGill. Ensuite, il y a Finn derrière moi, qui m'a aspergé d'eau aussi, puis il m'a tué. Donc, on peut te voir. Donc là, j'étais éliminée, puis genre, comme il y avait un round, là, il y avait un deuxième round, mais comme j'étais éliminée, ben, je pouvais pas jouer le deuxième round. Donc, dommage, mon fromage. Ensuite, on a fait une deuxième partie. Puis là, j'avais comme cible, j'avais Alissa et Violetta. Puis là, c'était genre le dîner. Donc, on est allé. T'étais en équipe avec qui, toi? Ah, j'étais en équipe avec elle. Ok, avec elle. Donc là, on est allé manger, puis je mange avec Alissa puis Félix, normalement. Et là, en arrivant, on est genre comme, genre, c'est qui vos targets? Donc là, Alissa, elle me dit que c'est genre comme Ulix et Ulysse. Et. Puis moi c'est Alissa, je pouvais pas juste dire que c'était genre Alissa. Donc là j'ai sorti genre une personne random, je suis genre comme ah oui moi c'est telle et telle personne. Donc c'est genre comme ok. Puis là Félix se lève, il va aux toilettes et tout, avec sa bouteille d'eau, je n'avais pas remarqué. En revenant, qu'est-ce qu'il fait? Il m'asperge d'eau comme ça. C'était moi sa target. Avec elle, donc là je suis genre comme oh, mince. Donc là après ben moi je suis genre comme oh bon ben là je vais tuer Alissa. Donc là, ben, j'ai tué Alissa, planté là comme. Mais t'as le droit de l'asperger même si t'as été arrosé? Oh, ben pas vraiment, mais genre comme c'était juste. Ouais. Tu triches quoi. C'est bien. Ça a pas dû compter cette fois-là. Ben en fait, c'est le premier qui poste. J'ai posté en premier.
Ah oui. Bah oui, c'est pour montrer la preuve. Ouais, mais elle avait déjà été tuée. Ouais, mais il faut envoyer la preuve. Attends, est-ce que j'ai... C'était moi. Ah. C'était moi. Ça, c'est quand moi, j'ai mon analyseur. C'est toi. Puis, donc c'est ça, après j'ai tué Alissa. À chaque fois, tout le monde est comme, ah, c'était moi. Ouais, c'est ouais. Comme, non, c'est pas toi, mais c'est pas grave. Non, mais oui. Puis après, puis là, ma target, c'était Finn. Donc là, j'étais leur comme, let's go, la revanche. All right, a revenge. Et là, tu l'as eu? Oui, j'ai eu, mais c'était vraiment compliqué parce que c'était pendant le dîner. Il est rapide. Non, mais il était allé genre vraiment loin. Donc là, j'allais pas juste aller là-bas juste pour l'asperger d'eau puis revenir à l'école. En tout cas, non. Donc là, c'est ça, je suis allée à l'école puis on avait danse. Et puis, ben, tu sais, t'as un target, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui te target toi aussi. Genre Félix, c'était moi sa target, donc c'était moi qui devais tuer. Mais là, je savais pas c'était qui. Non. Donc là, j'étais genre comme, bon, il faut que je sois un peu attention, attention. Puis. Là, Yael, je vois qu'il s'est fait éliminer. Puis comme on est dans la même équipe, ben c'est genre nos mêmes prédateurs, genre. Ok. Comment tu veux dire? Ah oui. Puis c'était Zachary. Non, c'était Zachary. Donc là, c'est Zachary et Jinxian qui veulent me tuer. Donc là, sauf que Zachary, il est dans ma classe. Donc là, je suis genre comme, oh, oups. Là, je vais en danse. Là, faut que je rentre dans la classe de danse. Puis là, il y a Zachary, genre juste devant la classe, qui m'attendait, forcément. Là, je le vois qui place son téléphone et tout, puis qui va se préparer. Donc là, je cours, je m'enfuis. Là, après, je reviens. Puis, genre, j'avais donné ma bouteille d'eau à Dossé pour qu'elle puisse, genre, tuer quelqu'un d'autre. En tout cas, bref, c'était un peu compliqué. Puis, je me rapproche encore de la classe en espérant qu'il soit parti. Parce qu'en fait, genre, comme, oh, il est parti. Puis là, quand j'arrive, lui, il ressort de la classe. Je suis genre, tu te flûtes. Donc là, après, genre, je dois remonter vite. Je sors de l'école. Parce qu'il y avait des escaliers juste à côté, donc je sors, hop, là je suis obligée de faire tout le tour. Puis je re-rentre à l'intérieur pour des billets de retard, donc j'étais correcte. Donc là c'est ça, j'arrive, Finn il sort de la classe. Donc là je suis genre comme, ok bon c'est parfait. Là j'arrive à l'aspergido, puis je suis genre comme, ok bon voilà j'ai tout terminé. Mort. Hein, oui. Puis ensuite Zachary m'a tué. C'est quelqu'un qui filme en plus. Ouais c'était ça. Mais c'est pour ça qu'il faut être à deux. J'étais vraiment arrivée, genre. Attends, mais c'était un peu court. C'était Raphaël qui était là. Et j'ai eu ma revanche. Voilà, fin d'histoire. Ah oui, et aussi. Et tout ça, c'était pourquoi? Juste pour. Bah, c'était notre dernière journée. Puis c'était drôle parce qu'à la. Bah, déjà, au début de la journée, j'avais entendu des secondaires 5 dire, genre, que. Oh, les secondaires 3, ils ont genre décidé de faire une bataille d'eau pour genre leur dernière journée et tout, genre juste les secondaires 3. Puis à la fin de la journée, les secondaires 5, je les voyais avec des guns d'eau en train de genre faire la même chose que nous. Puis je suis genre, oh les copieurs en fait. Mais je comprends après tout, c'est genre leur dernière journée de secondaire. Alors, petite journée sympathique aujourd'hui, puisque c'est la journée reconnaissance des employés de l'EGUCAM. Donc on part toute la journée faire des petites activités. On va à l'extérieur de Montréal. Donc ça c'est chouette. On part en autobus. Rendez-vous entre 8h et 8h30 devant l'université pour le départ. Je pense qu'on devrait être 70 à 80 personnes, il me semble. On va voir ça. Il fait super beau aujourd'hui. Donc je pense que ça va être une belle journée. Et puis on devrait être de retour un peu plus tard en milieu d'après-midi. C'est une journée pour remercier le travail des employés. Je vous invite à aller prendre le prénom de Caravane. Ouais, plutôt. Caravane. Yacine, c'est le boss aujourd'hui. Et tonton Miguel. Miguel. Tonton Miguel. Tonton Mig-Mig. Est-ce qu'il y en a qui ont pas mis un nom? Toi, t'as ton nom direct. On a tous un nom là? Alexandre, c'est bon. Oui, tu vas pouvoir. Mais ça fait quoi? Tu pas ton nom, tu peux pas embarquer dans le. Sérieux? Et ça rigole pas là? Thank you.
Hey! Dans le début. Dans le début. Il reste la place dans ce bus-là, mais on remplit déjà l'autre bus. Fait que vous êtes prêt à partir, on remplira jamais au complet l'autre bus. Ok, donc, mais là, on va vérifier combien il manque de gens. Oui. Vu qu'on est quand même dans les temps, on peut attendre 2-3 minutes de plus sur ce bus. Oui, oui, tout à fait. Il y a du monde là. Qui c'est qui est là? Je suis avec Yacine. On va là-bas? Ouais. Celui-là, dites-moi, c'est mon bus de responsabilité. Ouf, mon bus de responsabilité, ça rigole pas. Bon, on y va. Oh, il n'y a personne ici. Ouais, il y a moins de monde, mais je pense qu'il va y avoir les retardataires. Inquiète-toi pas, si vous n'étiez pas la seule. Il y en a d'autres. Donc, merci beaucoup de venir à la journée. Merci d'y participer. Merci aussi aux employeurs de l'organiser. Non, je suis en train de le lire. J'ai pas mes lunettes, fait que ça se peut que ça soit pas le texte exact. Donc, si vous n'avez pas reçu votre cocarde, vous devriez l'avoir. Tout le monde là? Oui. Parfait. Partagez sur Teams les photos que vous allez prendre aujourd'hui. Si vous avez des photos, quoi que ce soit, vous les partagez sur Teams. Aujourd'hui, 10h10, rendez-vous pour la photo de famille officielle, comme à chaque année. Ensuite, tu retrouveras ton équipe. Les équipes vont vous être distribuées là-bas. Il y a 14 équipes différentes dans lesquelles vous allez être réparties. En avant-midi, des petites équipes, c'est des activités en petites équipes. Et le tout sera dévoilé sur Teams et affiché dans la grande salle. OK? Donc, on va communiquer par Teams avec le réseau officiel pour pouvoir parler. Lunch, allocution et prix de présence. Ensuite, en après-midi, ça va être des activités libres au choix qui vont être dévoilées sur Teams. OK, donc vraiment dit, vous ne savez pas grand-chose pour l'instant. T'as un nouveau téléphone? On avait le chapeau. On a pas le bord, la première.
Il est là le... Ça va bien? Comment ça va? Oui, oui, konnichiwa! Bon, pour ceux qui n'étaient pas là dans le passé, je vous fais une petite historique, hein, parce qu'on a beaucoup de nouveaux. C'est qui, c'est leur première fois, là, pour la journée de la présence? Yeah! Qui était là l'année dernière au rallye dans le Vieux-Port? Team 13 ici, Team 13, l'an passé? Ensuite, qui était là au premier, au premier? Yes! Bon, alors, on vous écoute hein, dans les sondages à la fin pour vous dire si vous avez aimé ça. Vous avez dit, on aimerait ça sortir de Montréal. Ben, voilà, vous êtes servis, on est sorti de Montréal. Mais soyez Je vous explique comment ça se passe, OK? Je vais vous nommer trois événements. Ces trois événements-là se sont passés une année, OK? Je veux pas trois années, je veux une seule année. L'équipe qui aura l'année la plus proche de la réalité joindra notre top 4, OK? Alors, je cherche seulement une année pour ces trois événements-là. Avec ma casquette à jouer, ça va être super. La misère. Jody, on est là. On est là, c'est ici qu'il faut venir. Allez, c'est bon, tu y es là. Juste là, là. Quand on marque ta embarcation, il y a de l'algue. T'as glissé? Deux fois. Je filme. Bon, Léonie, à bientôt. On se voit en octobre. En octobre? Ouais, chanceuse. Ouais, j'en profite. Bon. Au moins, tu fais des grasses matinées le matin? Jusqu'à 6h. Jusqu'à 6h?
Genre de 3h du matin jusqu'à 6h. Exact. Ah, c'est génial ça. Ouais, des fois de 5 à 6 aussi. 5 à 6. Bye, à bientôt. Allez-y, c'est confidentiel. Non, c'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Je n'ai pas comme oublié à quelque part, ouais. C'est ça. Oh, Miguel. Et Miguelito, voilà. C'est moi. C'est Mig Mig. Parce qu'il s'est fait mal au doigt. C'est Mig Mig. Tu veux pas le Purel en attendant? Non, mais je me suis lavé les mains entre temps, mais juste mettre du polysporin. La confection de l'album que vous allez recevoir tantôt,
parce qu'il y a un petit album de 1000. Les achats, le photoboot, les décorations, la bouffe, le mou de pomme, parce qu'il n'y a pas d'alcool. On est encore au courant. Donc, merci à tous les parents. Et les heures de réunion. Et la quantité industrielle de courriel. Chers élèves, finissant de sixième année, c'est avec une grande fierté et une certaine nostalgie que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer, pour la plupart, vos sept années à l'école Cœur Immaculée de Marie. Depuis votre arrivée ici, vous avez parcouru un chemin incroyable, rempli de découvertes, d'apprentissages et de moments inoubliables. Durant ces années, vous avez grandi, non seulement en taille, mais aussi en sagesse, en compassion et en courage. Vous avez surmonté des défis, développé de nouvelles compétences et tissé des liens d'amitié qui resteront gravés dans vos souvenirs pour toujours. Aujourd'hui, nous vous félicitons pour vos réalisations, votre dévouement et votre persévérance. Vous êtes prêts à franchir une nouvelle étape de votre vie, l'école secondaire. Ce sera une aventure excitante, pleine de nouvelles opportunités et de défis passionnants. Alors que vous vous apprêtez à dire au revoir à cette école qui a été votre foyer pendant tant d'années, n'oubliez jamais les valeurs que vous avez apprises ici, le respect, la gentillesse, le désir constant de grandir et d'apprendre. Au nom de toute l'équipe école de Cœur Immaculé de Marie, je tiens à vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle étape de votre vie, que votre chemin soit illuminé de succès, de bonheur et d'accomplissement. N'oubliez jamais que vous portez en vous le potentiel de réaliser de grandes choses. On est soulagé de pouvoir abandonner son diplôme dans un avion. Pénélope Morelli de Mort.
que tu bois champagne. Oui. Et il est bon? Hey, qui c'est que là? Wow. Elle saoule. Avec les fleurs, puis je ressors avec les fleurs. Ben ouais. Maintenant elles sont pour toi.